Dans les champs de tabac de la région de Savane, au cœur de la ville de Dakar. Malia, 64 ans, a choisi de cultiver le tabac. Lui-même, il en prend, puisqu'il est fumeur. Et pour bien se servir, il a décidé de cultiver des tabacs devant sa cour. Aujourd'hui, il nous amène dans ses jardins, ses plants de tabac, pour nous le faire découvrir et nous décrit les parcours, les circonstances qui ont poussé à la culture du tabac devant chez lui. Je cultive du mil, du maïs, mais je cultive principalement du tabac. C'est pourquoi j'ai décidé de planter du tabac devant ma cour pour me servir un peu. Mais je ne peux pas tout faire. Je vends aussi. Comme nous le disons, le tabac n'a pas été inventé par l'homme. C'est nos parents, les premiers, à implanter le tabac dans leur cou, puis qui les utilisent pour se soigner. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de prendre. Je prends du tabac parce que c'est une question de sang. Des fois, quand je prends du sang, j'utilise pour fumer. Parce que j'ai un problème de cordon ombilical. Et quand j'utilise, cela me permet de me calmer, de me soigner et d'éviter les nausées. Je fais de la pépinière avec les graines du tabac. L'autre je repique les jeunes plants. C'est avec ça que j'entretiens. Je fais en sorte que cela puisse nourrir. Mais aussi, avec ce que je vois, je pense que quand je veux les cueillir, les sécher, je pourrais les vendre en 2015. Ça me permettra de pouvoir subvenir à mes besoins, me nourrir, aider à acheter ce qui me manque, et aussi le reste, je vais fumer. Le reste des bénéfices, je vais acheter le chèvre d'un mouton pour le levage. Aujourd'hui, ce que je veux, si quelqu'un veut bien m'aider, c'est me soutenir dans la production de tabac. Je sais que si j'y vends, je peux avoir des bénéfices avec lesquels je peux payer le maïs, le mil, mais aussi agrandir mes champs. Aujourd'hui, Malia est le seul qui produit du tabac dans son quartier. Une activité rémunérative de revenus qui lui permet de subvenir à ses besoins, mais aussi d'utiliser d'un temps à autre pour fumer. Les plants sont jolis. L'odeur hume presque toute la maison. Il est aujourd'hui important que certains agriculteurs de tabac se fédèrent, s'organisent et ne pas seulement utiliser comme une activité de subvention de leurs besoins, mais aussi ce qui permet à ce qu'ils puissent vendre et prendre soin de leur famille. Et dans plusieurs cours, les plants de tabac pullulent. Et ce qui permet à ces populations, à tous ceux qui ont planté des tabacs, de vivre, de manger, mais aussi d'espérer.